Hello les filles, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous ça va très bien, chaudement mais ça va très bien. Alors aujourd'hui il fait bon, ça s'est un petit peu rafraîchi. Je sais qu'il y a une baisse de température, mais je sais pas de combien. Mais honnêtement ça se ressent très très bien. Si j'ai lâché mes cheveux, c'est qu'il fait un petit peu frais. Alors avec Lilou ce matin, c'était pas prévu du tout qu'on sorte, étant donné des températures chaudes qu'on a depuis quelques jours. Et voilà, ce matin au réveil, j'ai vu qu'il faisait frais, c'était nuageux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, comme je vous disais dans l'avant-dernier vlog, enfin un de mes vlogs récents en tout cas, que je guettais la troisième des marques chez Monoprix pour enfants. Donc je vais aller voir un petit peu si ça a baissé au niveau des pulls, des vestes, etc. pour Lilou, histoire de lui refaire un petit peu sa garde-robe, préparer ça pour l'automne et l'hiver. Et quoi d'autre, je dois passer à la pharmacie, lui prendre son shampoing, sa crème, tout ça, elle en a presque plus. Et voilà, je vais l'emmener un petit peu au parc. Histoire de jouer un peu, il est par ici. Coucou Lilou, tu dis bonjour les filles. Bonjour les filles. Ça va? Tu mets pas la casquette? Tu veux pas la mettre? Oui. Donc je vous disais, je vais l'emmener un petit peu au parc jouer. Et je ferai peut-être un tour chez Zara, on verra. Mais en tout cas, je vous emmène avec nous en cette journée. On est que tous les deux, en plus papa il travaille. Donc on est seul avec Lilou. Je sais pas. Papa il travaille mon cœur. Tu veux aller faire un petit tour au manège? Oui, on va faire un petit tour au manège. Go, on y va. Bon, c'est parti les filles. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Avant de commencer notre balade, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire à bord du petit train, s'il vous plaît, et tout le long du trajet. Merci beaucoup. Et bienvenue à bord du petit train de la Côte de Mer. Ce voyage vous fera découvrir quelques-uns des plus beaux monuments de Marseille. Du vieux port à Notre-Dame, passant par la corniche, Dal propose toutes les espèces qui composent la célèbre bouillabaisse. Brascasse, araignée, galinette. On apprécie son ambiance animée où l'on savoure avec bonheur l'accent coloré et chantant de la Provence. Je vous reprends à la maison.
Du coup, on est rentré tout à l'heure, on a mangé, bon j'avais pris à emporter, j'avais pris une pizza. On a mangé ça à la maison tranquillement, la douche et ensuite les filles, on est tombées. Mais vraiment KO tous les deux. Mine de rien, ça nous a fatigué cette petite balade et cette petite virée shopping. On a été faire un petit tour en train, on a été jusqu'à Notre-Dame-de-la-Garde. Ensuite, on s'est posé, on a bu un petit coup tranquille avec Lilou. Et par la suite, j'ai été chez Zara, j'avais un retour à faire. Heureusement que j'ai pensé juste avant de partir de la maison. J'avais acheté des petites chaussures à ma maman pendant les soldes et en fait, je me suis aperçue qu'elles étaient déchirées sur le côté. Donc voilà, j'ai été rendre ça. Et bien entendu, je suis pas repartie les mains vides. Ça, c'est le piège lorsque vous y allez pour rendre quelque chose et que vous n'avez pas du tout l'intention d'acheter, vous avez besoin normalement de rien. Vous repartez en général avec 2-3 bricoles, voire plus. En tout cas, pour mon cas, je voulais passer chez Monoprix, mais franchement, il commençait à se faire tard et il commençait à faire chaud également. Donc, j'ai laissé tomber Monoprix. Mais chez Zara, j'ai fait quelques petites trouvailles. Chez Galerie Lafayette également. Et j'ai pris une paire de bottines chez Pull&Bear. Je vais vous montrer tout ça. C'est parti. Je vais commencer par Lilou. Donc par Zara, je lui ai trouvé ce petit pantalon. C'est un pantalon skinny comme ça, blanc. Il n'a pas du tout de pantalon blanc. Du moins, il en a plus, ça lui va plus. Il n'était pas cher du tout, il m'a coûté 7,99€. Je lui ai pris donc sa taille habituelle. Voilà, en soi, il est sympa. C'est un petit jean skinny blanc. Ensuite, je suis tombée sur pas mal de suites en solde. Et du coup, j'en ai profité. Je lui ai trouvé ce petit suite beaucoup trop sympa. En blanc et bleu, il m'a coûté donc 4,99€. Le deuxième sweat, pareil, je crois qu'il était dans les alentours de 4 ou 5 euros, je sais plus. Voilà, 4,99€ aussi, un petit sweat à capuche. Voilà, pour l'automne, ou même là, vers la fin août, lorsqu'il commencera à faire un petit peu frais le soir. Un autre sweat, mais cette fois-ci, c'est un sweat simple, sans capuche, voilà. Un peu plus cher celui-ci, il m'a coûté 6,99€. Ensuite les filles, je lui ai pris des slips, comme vous le savez ou pas. On est en train d'enlever la couche petit à petit. Du coup voilà, je voulais lui mettre des slips pour pas le laisser comme ça à la maison. Donc je lui ai pris deux packs de caleçons comme ça, il y en a 6 de chaque. Alors celui-ci il était soldé, donc il m'a coûté 9,99€. Le deuxième il me semble pas qu'il était soldé, non, il était à 12,99€. Alors je lui ai pris ensuite un petit ensemble, enfin c'est pas un ensemble, c'est des pariers, mais vous pouvez en faire un ensemble si vous tombez sur le haut et le bas du même âge. Donc je lui ai pris un petit sweat comme ça, c'est en maille, il était à... Non, je ne l'ai pas payé 12,99€, il m'a coûté moins cher je crois 9 ou 7,99€. Et du coup je lui ai pris le bas sorti pour l'hiver, voilà, c'est un petit legging comme ça en maille. Et le bas faisait 5,99€. Ensuite, je lui ai pris par ici, les filles, deux bonnets. Voilà, ils étaient en solde aussi. Alors, 3,99€, si je ne m'abuse. Ouais, les deux étaient à 3,99€. Et pour finir avec Lilou, je lui ai pris cette petite paire de sandales qui étaient en baisse de prix. Je les avais repérées un petit moment. Elles étaient à 22,99€ à la base. Mais je les ai payées seulement 14,99€. Mais je ne suis pas sûre de la peinture. À la base, il fait du 24. Mais les 24 m'avaient l'air quand même grandes, en fait. Donc, du coup, je lui ai pris du 23. Il ne les a pas encore essayées. On verra. Je vais essayer. Je vais voir ce que ça donne. Voilà pour le petit Lilou. Une fois de plus, il a été... bien gâté. Ensuite les filles, chez Pull&Bear, franchement j'ai fait une trouvaille vraiment sympa, une très très bonne affaire. J'ai acheté ces petites bottines comme ça en cuir, donc en solde. Elles faisaient de base, donc vous voyez, 65,99€, et je les ai payées 15,99€. C'était les soldes en 38, sinon il restait du 36, 40 ou 41. Voilà, je les trouve vraiment très sympa. Ça c'est pas du tout des soldes des filles, je suis passée totalement par hasard chez Galerie Lafayette, en fait, si vous voulez, la pharmacie où je prends les produits pour Lilou. Donc il faut que je passe par justement Galerie Lafayette pour y accéder. Je suis passée totalement par hasard et je suis tombée sur ces Birks. Les filles, elles sont introuvables, j'y cherche depuis l'année dernière. Donc c'est le modèle Arizona, les filles. Alors en caméra comme ça, elles paraissent kaki, mais pas du tout, elles sont top. Et franchement, je pouvais pas repartir sans. Donc voilà, j'ai pris du 37. Il faut savoir que les Birks, ça taille grand. J'étais agréablement surprise de les trouver là-bas. La vendeuse m'a dit la même chose. Elle m'a dit franchement, prenez-les parce que c'est très rare qu'on reçoit le 37 en cette couleur. Et comme je vous disais, je cherchais partout sur Sparto, sur Sarenza, sur Amazon. Bref, j'ai vraiment fait le tour de plusieurs commerçants pour si je pouvais les trouver. Et impossible de mettre la main dessus. Donc là, j'étais bien contente de les avoir trouvés chez Galerie Lafayette. Voilà, du coup, pour mes petits achats à moi. Oui ? Finalement les filles, je viens d'enfiler ça à Lilou, donc ces sandales au niveau de la taille c'est parfait. Donc je vais lui mettre à la maison, je vais le laisser jouer un petit peu avec. Donc tout à l'heure les filles, je suis passée faire acheter un petit peu de fruits et légumes. Donc en fruits j'ai pris une bonne part de pastèque, comme ça Lilou il adore ça, et moi aussi d'ailleurs. J'ai pris un melon, j'ai également pris des nectaries, des raisins noirs et des bananes. Je vais vous montrer ce que j'ai pris en légumes.
Alors du coup en légumes les filles, j'ai pris des courgettes, des oignons, des concombres, carottes, tomates, poivrons, aubergines. Et j'ai également pris des betteraves, voilà. Sachant qu'il me reste encore quelques légumes la semaine dernière. Voilà, ça fera l'affaire de la semaine. Les filles, moi je vais aller nettoyer tout ça. Et on se retrouve après donc pour le repas de ce soir. Ça va être très simple, je vais faire une ratatouille avec du riz pilaf. Le riz préparé comme ça, nous on adore le manger à la maison. À chaque fois que je fais du riz, de toute façon c'est version pilaf. Donc là je vais commencer par la ratatouille. Alors je vous cache pas, d'habitude les filles, moi je fais ça, tout ça au Thermomix, n'importe quoi, avec le e-compagnon. Et on, mais voilà, je sais que tout le monde ne possède pas ce genre d'appareil là, donc c'est pourquoi je voulais partager comme ça la recette avec vous. Normalement avec des poils, tout ça, donc je vous prends par ici. Pour ma ratatouille les filles, j'ai commencé à faire préchauffer donc de l'huile d'olive. Je vais venir ajouter un oignon. Là je viens ajouter donc tout le reste. Moi je vais mettre des aubergines, des tomates et une courgette. Après vous mettez ce que vous voulez, carottes, pommes de terre, vous mettez ce que vous voulez. Et pour l'assaisonnement je mets du sel, du poivre et un petit peu de cumin. Et à la fin je vais ajouter une petite préparation marinade, c'est une petite sauce asiatique, après c'est facultatif, hein. Et pour finir le cumin. Voilà, les filles, je recouvre et je laisse cuire ça tranquillement à feu doux. Ensuite les filles, là on va passer au riz pilaf. Donc j'ai fait préchauffer un petit peu d'huile d'olive dans une poêle et je vais venir ajouter donc un verre de cheveux d'ange. Si vous n'avez pas, mettez seulement du riz, hein. C'est entièrement facultatif. Je laisse prendre une petite couleur dorée. Pendant ce temps-là, je vais aller rincer mon riz. Pareil les filles, pour mesurer le riz, donc je vais tout simplement me servir du même verre. Voilà. Et puis ensuite, je viens ajouter mon riz. Donc, alors pour l'assaisonnement les filles, moi je mets du sel et du poivre. Si vous avez du bouillon de légumes ou de poulet ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien mettre. Mais à ce moment-là, vous diminuez la quantité, enfin la dose de sel. Et j'y ajoute 2 verres d'eau. Et je fais cuire tout ça à feu doux. Je vais le mettre à 5 pendant à peu près une dizaine de minutes. Filles, voilà, je vous montre. Donc le riz est prêt. Également la ratatouille par ici, c'est prêt. J'attends que ça refroidisse un petit peu. Je vais servir et on va manger. Les filles, je vous reprends par ici pour clôturer tout simplement le vlog. Oui, oui, Lilou. D'accord, j'arrive. Je viens de mettre Lilou dans le bain, on fait une sieste les filles. Mais autant vous dire que je suis fatiguée, j'ai des courbatures partout. J'ai de la migraine depuis cet après-midi. Je lutte depuis tout à l'heure justement pour ne pas prendre un Doliprane. Mais je crois que je vais aller prendre un Doliprane pour calmer ça un petit peu. Sinon les filles, en soirée, j'ai pas trop vlogué parce que tout simplement j'ai pas fait grand chose à part préparer le repas du soir. J'ai préparé également le sac de Lilou parce que demain je travaille et il va chez sa mamie demain. Voilà, donc j'ai préparé son sac, donc ses affaires de rechange, ses jouets, tout ça. J'ai enlevé les plaids que j'ai envoyés à la machine. J'ai juste fait du rangement très rapide, parce que comme je vous ai dit, je sais pas ce que j'ai. Vraiment des courbatures partout, j'espère juste que je suis pas en train de tomber malade. Je sors Lilou de sa douche, je le mets au lit et ensuite je vais aller moi prendre une douche
et me mettre également au lit parce que demain une journée bien chargée au travail. Voilà les filles, donc je vous ai emmené avec nous en cette journée. J'espère que cette vidéo vous plaira. Des millions de bisous les filles, portez-vous bien, faites attention à vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah. Ciao.